Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, direction l'Hippodrome d'Auteuil pour le prix Jean-Victor, quintet qui va se disputer en réunion en course 6 départ 15h15. On annonce un terrain lourd 4,6 par France Gallo, 16 partants, 3500 mètres, du steeple. On va d'abord revenir sur la très belle journée d'hier, donc mercredi. Du côté du quintet, on est premier, deuxième, quatrième. On perd le tiercé en 5 euh, à la photo. Dommage. Le course par course de hier a été très très bon. J'ai plus de place euh, sur le tableau pour écrire euh, tout ce qu'on a touché. Beaucoup de couplets, trio, trio de super 4, carte et ordre régional. Le dernière minute qui était le 15, Owen Adventure à 20 contre 1. Repéré numéro 1, CDG qui s'impose. Bref, on a passé une très très belle journée. Sur l'hippodrome de la plage. Donc c'est parti. En base gagnante, je mets le numéro 8, Risque du Brisé. C'est un cheval qui peut aller devant. Toujours un gros avantage en terrain lourd sur une petite distance. Du côté d'Auteuil, c'est un sauteur qui a pris des placettes en 59 et en 62 de valeur dans les quintes plus. Il est en 57,5 tout terrain. Je me dis qu'il peut le faire de bout en bout. La deuxième base, le numéro 6, Dentor des Obos. C'est un cheval qui a pris des places à plusieurs reprises en 59 de valeur en 2021. 2021, 2022, 2023. Il fait entre 3500 mètres et 4500 mètres. Il fait les deux spécialités. C'est un sauteur sérieux. On fonce pour au moins une place dans le quintet. Pour les chances, le numéro 10, Uric Desobos. C'est une véritable voiture de course. En 29 courses, il a toujours fini son parcours. Donc, ça, c'est magnifique. En 18 sorties sur la piste d'Auteuil, il a fait 15 fois l'arrivée. C'est magnifique. Il fait les deux spécialités. Il a fait l'arrivée de 4 quintés sur les 5 qu'il a disputés. En 57,5 et en 62. Il est en 57. Ce serait une grosse déception de ne pas le voir au dans le quinté plus. En quatrième position, le numéro 11, Harry Conti. C'est le cinquième du prix du président de la République, donc un tout autre lot. Il a fait une belle rentrée dans le Kersimon, il a répété sa valeur. Maintenant, ce n'est pas un gagneur, c'est plus un placé, donc c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position, dans un quintet en 5 chevaux. Il se garde tous les jours. En cinquième position, le 14 Poulorius. Il est deuxième de cette épreuve l'année dernière en 56 de valeur. Il nous revient cette saison en 54. Par contre, le cru 2023 est bien inférieur que par rapport au cru 2024. Mais comme c'est la course visée et l'entraînement redoutable de Daniela Mélé, en 5 chevaux, je pense qu'il se met euh, sans problème. En sixième position, le top weight, le numéro 1, Saint-Romain du Derby, qui vient de regagner une course d'autorité. Il passe en 62 valeurs. C'est un très bon cheval qui a beaucoup de classe. Il se monte de partout pour les places. Je le garde sans problème. En septième position, le numéro 3, inédit de Siergue. Alors, on a du mal à retrouver le cheval de 2023. Maintenant, le 18 mai, il y a eu du mieux. Il a fini en avançant. Et si on voit le vrai inédit de Sierg euh, samedi du côté d'Auteuil, il peut largement figurer dans un tel lot. Et je termine avec le numéro 7, Moutalat, qui sera monté par la très bonne Charlotte Prichard, que j'aime beaucoup. Son seul échec en 13 courses, c'est un quintet arrêté. En 58, il nous revient en 57,5 de valeur. Vient de bien se comporter sur le parcours proposé. Il a gagné. Revient dans les quintés. Maintenant, je me dis, c'est plus un quatrième, cinquième possible au vu de sa forme et de sa qualité. Moi, je vous dis à demain pour le quinté dominical. En théorie, ce serait le prix jockey qui serait à l'étude. Passez un bon week-end et merci à tous.